Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'enfer de Stromae. Je vous rappelle que la partition est dans un lien sous la vidéo. Alors, pour cette chanson, nous avons 4 accords. Et dans un premier temps, vous allez positionner votre capot d'astre en case 5. Alors, les accords. Dans la première mesure, on a un accord de AM. Le La mineur. En deuxième mesure, on a un accord de DM, basse de F. Alors ça va être un accord de Ré mineur avec une basse de Fa. Pour ça, on va positionner l'index en case 1 de l'accord de Mi, donc en case 1 à partir du capot d'astre, bien sûr. Donc l'index en case 1. Le majeur, on va le mettre en case 2 de l'accord de Sol. L'annulaire en case 3 de l'accord de Ré. Et le petit doigt en case 3 de l'accord de Si. C'est l'accord le plus difficile de la chanson. Si vous avez du mal, moi je vous conseille de, dans un premier temps, de positionner vos doigts jusqu'à ce qu'ils se placent. Voilà. Vous faites ça plusieurs fois, autant de fois qu'il le faut. Troisième mesure, on a un accord de DM6, Ré mineur 6. Alors ça c'est facile, vous gardez vos trois doigts de l'accord précédent et vous changez de place. Votre index qui va passer de la corde de Mi à la corde de La, mais en deuxième case. Donc on était comme ça, et on déplace uniquement l'index. En quatrième mesure, on a l'accord de 7, alors là il est plutôt facile. Vous mettez votre index en première case de la corde de Sol. Je répète les quatre accords, AM, DM basse de F, DM6 et le 7. Maintenant, on va voir le rythme qui est identique pour les quatre mesures. Je vous montre sur l'accord de AM. On va alterner une basse, là ça va être la basse de La. Donc avec mon pouce, je vais jouer ma basse sur la corde de La, donc corde à vide. Et je vais tirer mes trois cordes de la corde AM, délicatement, les trois en même temps. Donc je joue ma basse, mon accord, ma basse et mon accord. Je recommence. Basse, accord, basse. Je passe à l'accord de DM, basse de F, je positionne mes doigts, et là donc je joue la basse de Fa, mon accord, basse de Fa, et mon accord. Je passe à la troisième mesure, je change mon index de position, et là donc je vais jouer la deuxième corde, toujours en alternant avec l'accord. Et je termine avec la quatrième mesure, donc on a cette fois-ci une basse de Mi et mon accord. Voilà, le principe est très très simple. Voilà, maintenant je vais enchaîner les quatre accords, je vais commencer très lentement et je vais accélérer progressivement. 3, 4, première mesure. Deuxième, troisième et quatrième. On recommence. Première mesure, deuxième, encore plus vite.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous remercie.